Ouais, un peu de country, un peu de country. Merdicate. Ah ben voilà, il a trouvé Hiro. Et ouais, Hiro. T'imagines si j'avais 50 mecs comme toi qui venaient me demander à chaque fois à quelle heure est ce stream? Démerde-toi comme un grand. Va chercher l'information, n'attends pas qu'elle te tombe tout cuite dans le bec. Eh, hey, j'avais hâte de mettre ma main sur ce jeu. Hein. Vous savez, des fois, il y a des coups de cœur. C'est rare en ce moment dans le jeu vidéo que j'ai des coups de cœur, vu la quantité de merde qu'on nous déverse. Vous savez, les triples et quadruples A là, donc j'ai. Voilà. Mais là, j'ai vu ça il y a 3-4 jours, j'étais là, oh putain! Alors ça a l'air incroyable. Franchement, je me régale avec les jeux indés. Hein. Là, il y a Breacher là qui était incroyable, que j'attends d'avoir la version, le jeu fini, complet, pour leur jeter mon argent. Et je crois que celui-là a l'air aussi incroyable. C'est pas pour tout le monde, mais si vous aimez Euro Truck Simulator, bah c'est Euro Truck Simulator, mais dans l'espace, quoi! Dans l'espace! Bon, allons in-game. Allons, game. Hop là. Hop. Game. Non. Back. Hop. C'est la démo, hein. C'est la démo. C'est prévu pour 2024. Donc on vous le dit, les gars, c'est la démo. Soyez tolérants, quoi. Hein? Mais bon, au moins, ce sera pas 80 euros, ce sera pas un quintuple A, vous voyez? Je suis en panne, les gars. C'est de l'anglais, mais pour faire simple, je suis en panne. Je suis en panne et j'ai des trous. Vous voyez là devant, là? Ça fume. Attendez, est-ce que je peux changer de vue? Switch view. Oh, regardez! Je fume! Hey! Hein? C'est génial. Matez-moi ce monstre! Bon, visiblement, j'ai l'air d'avoir des petits soucis de fuite, regardez. Regardez. Il va falloir seulement que j'aille patcher ça. Get out of your comfortable seat. Il faut que je sorte de mon siège confortable. Ah ouais, il y a l'alarme qui sonne. Ok. Voilà. Bon, va falloir que je fasse une EVA, les gars. Va falloir que je fasse une EVA. Ah, on peut aller dans les caisses? Ah ouais d'accord, là on les pose. Ok d'accord. On peut bouger des marchandises comme ça. On peut tout bouger. Tout a un hit point, puissance, d'accord. On peut tout prendre avec soi. Ma couchette pour vos pieds les gars. Hein, très important. Faut pas se laisser mourir. Hein. Bon, faut que j'aille prendre la combi si je dois faire une EVA. Ok. Est-ce qu'il y a un level d'oxygène? Ah ouais, à gauche on a la puissance qui reste dans la combi. À droite on a l'oxygène. Bon, ça doit être le sas, le airlock. Ok. Ah bah non, il faut d'abord que je referme. Sinon, je vais décompresser toute la cabine, ce que je veux pas. Voilà! Ouh, putain de sa mère. Oh, l'inertie de zinzin. Ok, alors là, comprenez comment... C'est une savonnette, hein. Tout se fait... C'est une savonnette. Alors, est-ce qu'on peut changer la vue? Ah non, là, je peux pas changer la vue, malheureusement. Bon. La musique, elle est fun. Attendez, je vais mettre un petit peu de son pour l'immersion. J'espère que c'est pas copyright claim, toutes ces merdes. Sinon, je vais prendre cher. Hey. Allez, c'est parti. Ça sert à rien de faire des coups trop brusques. On va utiliser l'inertie du scaphandre. Voilà, regardez, regardez. Ah bah là, c'est pas Red Dragon, les gars. Hein. Il y a de la maîtrise, là. Attendez que je joue à Space Engineers, vous allez voir. Eh, on est tombé en panne en plein milieu de l'autoroute. Hein. Bon, on va aller se rapprocher de ça. Hop. 4 yards. 3 yards. Ok. Allez, on va patcher ça. Magnifique. Bon, il y en a un autre là, je crois. Ouais. Oh là là, moi j'aime ça. Et là, avec l'inertie, on va simplement...
génial. C'est ça qu'on veut voir comme jeu. C'est ça que j'aime, moi. Voilà, et hop, c'est parti. Ah bah les filles de joie, forcément, Galpin. Hein. Doit y avoir de la salope dans les stations spatiales. Hein. À voir si elles prennent les crédits impériaux ou pas. Hein. Bon, je présume que... Eh, matez-moi ça. Il faut retourner au airlock. Bon. On commence à avoir le coup de main. Il faut y aller mollo. Si vous appuyez trop fort... Ah! Ça, c'est l'oxygène. Putain, l'oxygène qui tombe vite, hein! Faut pas rester trop longtemps, hein! Voilà! Allez, retour au airlock! Magnifique! C'est refermé. Non, je suis ressorti! Merde! Oh, le con! Voilà! C'était ça. Bon, je vais aller reposer ma combi. Ah ouais, regardez, il me restait plus que... Ok, là, ça remonte. Ça recharge. Une fois qu'elle est posée, elle recharge. 41, 85, ça recharge, d'accord. Donc, une fois qu'elle est reposée, tout remonte tout seul. Bon, retournons dans mon confortable fauteuil, les gars. C'est parti. Allez. Press space to accelerate. Ok. To brake, shift. D'accord. Ah, to roll Q et E. D'accord. You can switch to an internal view by pressing C. Ok. All patched up? Good. Bon. I guess you were heading Atlas Prime on it. Atlas Prime. Donc, c'est sur le panneau. Well, just a quick heads up, but that gate's been real temperamental as of late. Lucky for you, the repair drones are busy fixing it as we speak. Ok, ils sont en train de réparer les portes. I reckon by the time you reach it, they'll have it up and running again. Alright, let's go. Put us some music. Oh, génial, dans les options. Ok, donc là, normalement, il faut qu'on mette un peu de jus. Regardez, on va mettre un peu de jus. Avec les thrusters. Voilà, regardez, vous voyez, espace. Il y a les thrusters. Et on voit la vitesse en bas, d'accord. On a la vitesse en miles par heure et en kilomètres par heure. Ah ouais, c'est une savonnette à accélérer, hein. C'est le Bismarck, hein. Ok, là, on a les tonneaux sur les côtés. C'est le Bismarck, le machin, hein. Allez, on met la gomme, 135 km par heure. On va respecter un peu la conduite, hein. On va essayer d'éviter les collisions. Et c'est le tuto, les gars, oubliez pas. Jump gate. Les portes, alors les portes vous permettent de... Ouais, on va se balader dans la galaxie, hein. Avec votre... Lorsque votre camion est correctement aligné avec la porte, vous pouvez envoyer le jus. Une fois que les lumières de la porte sont vertes, utilisez le levier dessus vous pour faire un jump. Ok. Voilà, d'accord. C'est le levier qui est là-haut, regardez. Là, c'est vert, feu vert. Allez, on envoie la gouache. Let's go. Wouh. Eh hey. Ah. On en parle. D'un jeu quintuple A. En démo. Oh, c'est beau! This is Galactic B calling in from the DIV. Glad to see you finally made it. You've already got a drop zone warmed up and waiting for you. So just head on over to the waypoint. Eh, pour ceux qui ont déjà joué à Freelancer, il y a des vibes, il y a des giga vibes Freelancer. Freelancer, c'est Freelancer qui s'est accouplé avec Euro Truck Simulator après une folle soirée de sexe. Voilà, et d'alcool. Bon, écoutez, j'ai quand même... on va aller... On va mettre la dose. On va aller au point de passage. On a Palm View Station, là-bas.
on a Paint and Ride Diego's. Et là, on a une autre station, Harmony League. Non, je sais pas c'est quoi la station à droite là. On va aller au point de Waypoint. Oh, c'est incroyable! Ok, drop zone! Ok, donc il va falloir amener le cargo parce qu'on est, un chauffeur, hein, les gars. On va devoir amener le cargo dans sa zone de drop. Ok, within the safe area. Et une fois, d'accord. Tant que c'est dans le violet, voilà, une fois qu'on est dans le vert, c'est bon. D'accord. On va aller à la drop zone. Ah ouais, la drop zone, elle est là-bas. D'accord. Donc on va déjà essayer de s'aligner correctement avec la drop zone. On va pas essayer d'aller. Donc il n'y a pas d'atmosphère, ce qui fait qu'une fois que vous avez lancé le vaisseau. Ah si, il ralentit quand même. Alors ça par contre c'est mal fait. Normalement, ouais quoi, qu'on est assez bas dans l'atmosphère. Bon, je peux vous dire les gars, c'est une savonnette. Hein. C'est une savonnette le merdier. Hein. Allez, vous allez voir, je vais vous faire un créneau dans la drop zone. Voilà, on va rentrer. Oh, il y a des déchets et tout, regardez ça. Il y a de la merde. C'est sûrement ça qui a endommagé tout à l'heure. Oh, les autres camions, regardez. Oh là là, le double, triple SMI. Oh, les monstres. Bon, attendez, il faut que j'arrête de m'extasier. J'ai une approche à faire. Je passe comme ça. Ah ouais, parfait, regardez là. On freine. Un petit peu, on avance. Je suis pas bon. Ah non. Il me manque encore un petit peu. Attendez. Hop. Alors, je crois que c'est pas grave si le tracteur sort. Hop. On est bon. Turn off your truck magnetic lock system. Ok, donc on va ensuite. Ah d'accord, c'est magnétique. C'est tenu par un aimant. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse en fait de la remorque. D'accord. Ah ouais, on sera pas payé. Stop. Alors, comment est-ce qu'on... Là. Manage. Voilà, on a fait notre première livraison. Ah bah l'Isengard a évolué les gars. Voilà. Continuez. Eh ouais, rang 2. Confirmé. Là normalement. Je me suis débarrassé. Voilà, regardez. Eh, c'est beau. Oula, je crois que le jeu vient de crash. Le jeu vient de crash, les gars. Bon, c'est une démo. Oh, j'espère que j'ai pas tout recommencé. Bon, ça va aller vite, sinon. Le jeu a crash. J'ai fait crasher la démo. Que chier. Bon, au moins, on a compris comment ça fonctionne. Ça va aller vite. Ça va aller très, très vite. Est-ce qu'il y a l'autre game? Y'a pas l'autre game, fuck. Y'a pas l'autre game, bon, c'est pas grave, on va aller vite, hein. Putain, on voulait admirer le spectacle, mais on a fait crash le truc, hein. On a fait crash le truc en admirant le spectacle. C'est terrible. Bon, c'est bon, cette fois, tu vas voir, mon gars, ton EVA, j'ai compris comment ça fonctionne. Hop. Allez, hop. Là, vous allez voir, fini la découverte. Vous allez voir Pépé en action. Une vraie savonnette, hein. Mais moi, j'aime bien les savonnettes. J'adore les savonnettes, surtout quand elles tombent par terre. Vous voyez? Pas de retour prévu sur Twitch. Bah, peut-être aujourd'hui. Quand j'aurai récupéré ma chaîne. T'en as de ces questions de merde, toi. Putain. Regardez-moi ça. Voilà.
Allez, direction. Direction le airlock. Voilà. Est-ce qu'on peut save après? Non, y a pas de save malheureusement. Là, on va ouvrir. Voilà, on est allé vite là. Hop! Cette fois, j'ai compris comment ça fonctionne. On va pas perdre de temps. Hop! Et une fois que vous avez fini le tuto et que vous l'avez compris, c'est bon, hein? Allez, c'est parti, pleine balle! Lucky for you, the repair drones are busy fixing it as we speak. I reckon by the time you reach it, they'll have it up. Ouais, tu vas sur ma chaîne Twitch et tu verras quand elle sera disponible ou pas. Tu vois, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Tant qu'elle n'est pas marquée, bah j'ai pas accès à Twitch. Facile, non? Allez, regardez-moi ça, on accélère. Ah, c'est pas la même, là. Voilà, oh, on va pouvoir refaire. Hey, on va pouvoir refaire l'entrée. Ok, c'est orange, c'est vert. Magnifique. Allez, on y va. Wouh. Je m'en lasse pas de ça. Je m'en lasse pas de ça. Allez, on y va. Direction le delivery point. À quoi la rediffusion mise au garde? Vous me faites chier. Vous me faites chier avec tous vos questions de merde. J'en sais rien. C'est Twitch qui décide quand un modérateur aura vu la vidéo et dit qu'elle est bonne pour la diffusion. Pas facile, non? Je fais pas de rétention de vidéo, les gars. Jamais, hein. Si la vidéo est pas là, c'est que Twitch prend son temps pour la vérifier. Il faut arrêter de me poser des questions de merde systématiquement. C'est beau pour une démo, c'est incroyable. Putain, les mecs, ils me prennent pour une bande d'informations. Pépé, à quand ci, Pépé, à quand ça, Pépé, pourquoi tu fais pas des vidéos réac de Hutch the Bush? Ah putain. Il me faudrait une secrétaire qui fait standard. Vous voyez? Hein, il me faudrait une secrétaire qui fait standard téléphonique pour moi. C'est mieux que Starfield, mais carrément! Mais alors, comme je dis, pour ceux qui connaissent Freelancer, il y a une énorme vibe Freelancer en mode Euro Truck Simulator. Allez, regardez, on va bien s'aligner propre. Regardez ça, c'est millimétré. On commence à ralentir. Regardez ça, hop! Et boum! Bon, j'espère que je vais pas la refaire cracher. Ah oui, il manque plus la question sur les volcans islandais. Pépé, est-ce que l'éruption continue? Est-ce que le parking a été détruit? Hein? Great job. Payment should already be with you. But if you feel like spending some of that hard-earned cash, just head on over to Palmview Station. You'll find they've got supplies. Palmview Station, c'est là-bas, regardez. And the best home cook for your protein this side of Alpha Centauri. Ok. Ah, regardez, il y a la docking caméra. Vous voyez, à gauche, la docking caméra qui permet de s'aligner. Oh, ça c'est incroyable, hein, la docking caméra. C'est ce que, ça vous les avez sur les vaisseaux aujourd'hui. Ok, bon bah écoutez. Direction. Oh, j'ai... Eh non mais, hey. C'est moi ou c'est incroyable? C'est ouf! Oh là là, c'est beau! Allez, on envoie la gouache!
Ah ouais, regardez derrière, on a la docking caméra. Alors, CB Radio. Ouais, je vais éviter de mettre la radio. Bon, on va aller à Palm View Station. On va aller s'amarrer là-bas. Et c'est incroyable. Oh, y a plein de débris, regardez ça. Est-ce qu'il faut pas rester? Est-ce que pour aller à la station, il faut pas suivre les chemins là? Ah merde. Je pense pas qu'il faut faire du warp-piste, regardez, les débris là, ils peuvent peut-être abîmer mon vaisseau. Attendez, je vais taper l'incruste hein, sur la ligne. C'est des autoroutes spatiales, ce sont des autoroutes spatiales. Et regardez, il y a des limitations de vitesse à 150 miles ou 150 km par heure. À voir. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. Il fallait suivre la route. Allez, on va pouvoir accélérer. Ok, on arrive à 1 miles. Je vais respecter les limitations de vitesse. Speed limit 85, on va considérer que c'est en miles. Oula, attendez, je suis en train de me... On va éviter de toucher quoi que ce soit. Oh là là, hé. Avec mon beau. Bon, docking. Alors, ah voilà. Donc là, il faut utiliser ce qu'on avait vu, le docking radar. Donc je présume qu'il faut, il faut se mettre en marche arrière. Ouais. Il faut se mettre en marche arrière. Déjà, on va ralentir. On est dans l'espace, donc on peut ralentir à fond. Et on va utiliser les thrusters pour regarder. Hop. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et là. Parfait. Et maintenant, on va essayer de faire une petite marche arrière. Non, marche arrière. Oh, 137 mètres. Incroyable. Battez ça. 80 mètres. Oh là là, j'ai l'impression d'être à bord de l'ISS! On stabilise. Pas trop. Marche arrière. Et regardez comment je suis! Pas mal! Si c'est aimanté, ça devrait être bon. Oh mon jeu, non, stop! Je me suis trompé! Je me suis trompé de... Il y a eu un bouton avec marqué Sticky Key. Je crois que... Attendez, on va devoir refaire une approche, les gars, d'accord? On va devoir refaire une petite approche. Est-ce que vous pensez que ça passerait pas là? Ah non. Il veut plus accélérer. J'espère que je l'ai pas cassé hein. Donc, allez.
Ça. Stop, stop, stop. Et merde, je l'avais coincé. Je l'avais coincé. Je l'avais coincé, putain. Bon. Il faut que j'arrive à accélérer de là. Le problème, c'est que là... Pour une raison que j'ignore, il veut plus accélérer. Je crois que j'ai cassé le jeu, les gars. Attendez, j'ai une idée. Si je... Hop. Allez. Allez. Airlock ready. Comment est-ce qu'on fait pour l'activer? Voilà. J'étais bon depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai docké. Job board. Alors, voilà où on va pouvoir commencer à bosser. Voir si j'ai les skills pour récupérer des cargos et compagnie. Keep in mind, un bonus in will defer. Ok, donc selon le type de boulot que vous allez accepter, vous allez avoir aussi des graves pénalités si vous abandonnez ou annulez un boulot. Donc là, regardez. Expire, non. Décliner. On a plein de contrats différents. Voilà, donc là, au début, on va pas prendre les gros contrats, là. Hein. Les contrats de zinzin, là. Oxygène, d'accord. Container renforcé. On va faire une mission lambda, d'accord. Load, bathtubs. Des jacuzzi, les gars. Des jacuzzi. Tip freighter. Alors, un service, un gas driver, tout blablabla. Compensation, regarde, ok. Term and termination. Ah, d'accord. Donc, ils peuvent demander un remboursement de $600 selon les circonstances. Si le contrat est terminé par le chauffeur ou alors que les biens ont été abandonnés par le chauffeur. Obligation du chauffeur. Opérer, allez, toujours lire, les gars, hein, quand vous devez signer. Hein. Oui, être à l'heure, être professionnel, c'est ma marque de fabrique. Hein. Être extrêmement précautionneux avec les chargements, logique. Avoir pris sa douche avant le stream, alors ça, par contre, c'est plus compliqué. Voilà, obligation vers les compagnies, ok, ok, ok. Confidentialité, non, non, non. Identification, ouais. Ok, blablabla, regardez le contrat. Regardez le contrat. C'est beau. Bon. Ok. C'est parti. Confirmé. Merde, je l'ai accepté le contrat là. Ouais. Ouais, je l'ai accepté. Accepté. Voilà, in progress. Parfait. Back. Et maintenant, où est-ce que je peux voir... go to sector priority. Où est-ce que je peux voir... Ah voilà. Drop off bathtub. Est-ce que j'ai chargé là? Non, je pense pas que j'ai chargé. Il va falloir que j'aille charger justement. Hop. Et là, normalement... Alors, pour une raison, je suis mort. Non. Je ne comprends pas. Je vais devoir faire une EVA. J'ai abîmé mon vaisseau. J'ai fait une... Low power. Attendez. Tu vas pas sur power cell. Ah, merde. J'avais plus d'énergie, peut-être. Cell power. Ah, merde. D'accord. Attendez. Visiblement... j'ai fait des bêtises. Où sont les power cells? C'est pas ça? Climate control panel. Non. Oh. Je fais des bêtises, les gars. Ok. Oxygène, non. Par contre, là, c'est vert et là, c'est rouge. J'ai mal fait quelque chose, hein. Bonne charge en panel. Alors, où étaient les réserves? Ah, pick-up power cell. D'accord. Mais où sont les... oh, regardez, mais c'est super bien foutu. Climate regulator.
Core System. Bon, j'ai fait des bêtises, hein. J'ai fait des bêtises, mais c'est génial. Vous avez vu la quantité de trucs qu'il y a à faire? Open Shutters. Ok, il y a des trucs à faire, visiblement. Attendez, je vais retourner voir l'indicateur de mon vaisseau. Je dois avoir des problèmes. Power Cell, c'est-à-dire... Ah ouais, Core A, Core B, j'ai quasiment plus de jus. J'ai quasiment plus de jus. Est-ce que je m'amarrerai pas? Non. Oh. Le compartiment à gants, les gars. Ah! Manuel de service, on peut pas l'utiliser? Par terre, non. Par terre, quoi? Par terre, ouais, il y a... J'ai bien une power cell, mais je sais pas où on les met, tu vois. Les power cells. Je ne sais pas où est-ce qu'on met les... Où est-ce qu'il faut les mettre? Et il y a marqué nulle part. Où est-ce qu'on change les batteries? Il y a bien des indicateurs. Mais je ne sais pas où c'est. Tu vois? Est-ce que ça serait pas là? Ah! Power Hardcore, on a trouvé! 47, 47. On va aller en prendre une fraîche. Hop. Power 150. Voilà. Ça va faire le boulot pour le moment. Par contre, je crois que j'ai fait une bêtise en endommageant le vaisseau. Il faut que je me barre de là. Offline. J'ai cassé quelque chose, hein. J'ai cassé quelque chose, hein. J'ai cassé quelque chose, mais je sais pas quoi. Offline. Je vois des... Il y a des fuites nulle part. Ah, si, là! Merde! Faut faire une EVA. Putain de sa mère! Putain de sa mère! On y va! C'est moi qui ai fait de la merde! Let's go! Bon. Oula. Mais. Il veut pas se lever, c'est une blague. Ah voilà. Attendez, alors là je comprends plus rien à ce. Tout à l'heure ça marchait bien. J'y arrive plus. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah ouais, bon, attendez. On va y aller tranquille. On va utiliser l'inertie. Découpe des petits coups de soin soin. Ah, c'est marche arrière dans l'espace. Voilà pourquoi mon vaisseau voulait plus avancer. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. On va retourner. On va retourner dans le airlock. Voilà. Parfait. On va y arriver. Écoutez, c'est pas facile. On découvre. Et là, normalement, ça devrait être bon. Et là, your gravity compressor is offline. Move around your cable and damage it on polystone. Ah merde. Ah, en effet, mon gravity compressor. Mais comment est-ce qu'on change ça? Bon, déjà, le vaisseau marche. Secteur purity. On va ralentir. Et on va voir
Visiblement, j'ai pas d'autres dégâts. Regardez, on voit mes réparations précédentes. On voit mes réparations précédentes. Eh, le jeu est magnifique. Hein. Le jeu est incroyable. Oh là 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 là. C'est beau, hein. Bon, go to Sector Purity. Comment est-ce que je sais où est le Sector Purity? Ou est-ce qu'il y a une carte? Non, il n'y a pas de carte. Et si je fais... Ah! Oh là là, non mais regardez! Oh mais regardez! J'ai trouvé! On a tout le détail! Job! Voilà! Map! On a tout un arbre de skill! Cargo! On n'en a pas pour le moment. Bon, on va aller charger. On va aller charger map. Et moi, je dois aller dans le secteur Purity. Donc, on va mettre... est-ce que je peux mettre un point de contrôle? Ouais. Voilà. Hop. Et là, normalement, je devrais avoir quelque part un point d'exclamation. Est-ce que ça serait pas là-haut, mon point d'exclamation? Je pense que si. Ah non, le problème, c'est que là, il n'y a pas de point d'exclamation. Attendez, par rapport à ma position, est-ce que je peux... Moi, il faut que j'aille secteur Purity, mais c'est la 15. La 15. 15 y a... Ok, mais direction Medusa 6, là-haut. Medusa 6, c'est là-haut. Moi, c'est l'autre opposé, je vais là-bas. Doit avoir... La 15, elle est derrière. Je vais aller... On va essayer de sortir de là déjà. 15, c'est là-bas. J'ai trouvé les boys. Secteur Purity, route 15. Wouh. Bon, attendez, avant, je vais faire une petite pause tactique. Je vais aller changer, je vais mettre un autre corps. Oula, oula, oula. Ah merde, j'avais oublié que ça, c'était endommagé, attendez. On a un problème, là. Non, ça, c'est la lumière. Oh, putain. Il y en a eu, oh non. Houston, on a un problème. On a perdu le truc de gravité dans l'intérieur. Merde! Y'a tout qui vole à l'intérieur! J'ai foutu la merde! Quel est le but du jeu? Oh putain! Tu connais Euro Truck Simulator? C'est la même chose, mais dans l'espace. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, con. Bon. Comment est-ce que je fais pour changer? Normalement, là-haut, il me semble qu'il y avait un board, le panel global. Non, Open Filter Panel, c'est pas ça. Il y a plein de trucs en fait que je connaissais pas. C'est dessous. Oh putain, c'est compliqué d'être. Voilà, regardez. Gravity Compensator. J'ai un souci. Comment est-ce que je le change? Merde. Il y a un truc que je dois mal faire. Hein. Il y a un truc que je dois mal faire. Et je ne sais pas comment je le change. Mais au moins, il est marqué qu'il est en effet plus... Il ne fonctionne plus. Oh bah merde, les mecs, on a perdu le vaisseau. Bon. Et le jeu m'aide pas. On va voir ce que je peux contrôler d'ici. Parce que là, j'ai l'air un peu con, vous voyez. Offline.
Life support. Oh, c'est génial, il y a plein de caméras et tout. Voilà, ok, d'accord, là vous avez toutes les caméras. All repair recommended. Ok, j'ai un problème de fuite, les gars. Je dois avoir un autre souci technique qui fait que mon vaisseau n'est pas opérationnel. Mais je ne sais pas où. On va faire une EVA et on va voir. Tout que t'as arraché un peu plus tôt. Bien sûr que si, c'est ça. Mais je sais pas où c'est. Je connais pas mon camion. Ok. On va aller voir derrière. Puisque c'est derrière qu'il y a eu l'impact. Et on va faire un tour un peu du... On va faire un tour du camion. Il y a un service manuel. Ouais, mais j'ai pas réussi à l'ouvrir. C'est incroyable. Sous le vaisseau. Oh putain, on se sent seul là. Là, on se sent seul, les gars. En orbite à 30 km. Attendez, il y avait quelque chose qui sonnait. Ah non, mais ça, c'est mon oxygène. Ok, d'accord. L'oxygène tombe très vite. Hein. L'oxygène tombe très vite. Hein. On va aller voir le manuel technique, d'accord? Ouais, j'ai vu que la combi tombait. Putain, je me fais même battre par le tuto. Eh ouais, mais y'a rien qui recharge. Mais on n'a pas assez de puissance, bordel. On va aller voir le manuel technique. J'ai l'air con, hein. J'ai cassé mon camion, les gars. J'ai réussi à casser mon camion direct. C'est une catastrophe. Est-ce que... Et là, le problème, c'est que... C'est juste de la déco, vous voyez. Je peux pas utiliser... Ah, Elizabeth, c'est automatique, c'est... Bon, ça, on s'en fout. Mais ouais, on a un problème. Et en plus, ça consomme de l'énergie pendant ce temps. Pendant que je reste appuyé comme ça. Et le problème, c'est que j'ai le... Vous voyez que j'ai le truc de gravité qui est foutu. Parce que ça tourne pas. On va voir si... Je vais retourner à la station de docker. Et on va voir si on peut faire des réparations à bord de la station, d'accord? S'il y a une autre option. C'est en bas pour activer la recharge de la combi. Ah, c'est en bas. Comment ça, en bas? Il va falloir être plus précis, mec, hein, quand tu dis en bas. En bas où? Parce qu'en bas, dans l'espace, ça n'a pas de sens, toi. Dans le menu, est-ce que tu sais ou tu sais pas? Sinon, tu fermes ta gueule. Turn off, non, ça c'est que de la commande. Bon, on va retourner se docker à la station et voir si on peut faire des réparations dans la station. Tout simplement. Bon. Où était la station? La station est derrière. Et le... vachement d'indications. Hein. Casse-toi! Putain! Je vois pas où je vais. Oh là là, oh là là, oh là là.
perdu le contrôle du truc. J'ai perdu le contrôle du merdier. Arrête. Putain, j'ai réussi à perdre le contrôle du vaisseau. Hein. Allez, c'est bon, j'ai pris le contrôle. C'est pas comme un avion ou une voiture. Hein. C'est uniquement de l'inertie que vous contrebalancez avec de l'autre inertie. C'est un peu différent. C'est ça que c'est pas facile à piloter. C'est une basse à monnette. Hein. Non. C'est pas un morceau que j'ai perdu, ça? Non, ça doit juste être un tuyau à la con. Ou alors il y a peut-être un truc qui va pas avec mon vaisseau aussi. Hein. Comme dit tout à l'heure, j'ai mis un gros coup dedans. Il n'a peut-être que moyennement apprécié. Hein. Parce que là, j'ai l'impression de plus avoir le contrôle de... Ah si. Hop. Allez, stabilise. Ça, je peine à stabiliser. Ça me fait vachement une belle jambe que tu saches. Oh merde, je suis pas sur la bonne docking bay. On va ralentir. On va tranquillement se rapprocher. On va même pas réussir à dépasser le tuto, les gars. Tout ça parce que j'ai fait un mauvais move. Hein. C'est Windows qui m'a dit « Oh, vous êtes en sticky key !» Et ça m'a fait paniquer. Regardez cette manœuvre. Ah non, mais y'en a un autre là! Je suis pas du tout bien placé. Hein. J'ai fait de la merde encore. Hein. Putain, on va jamais s'en sortir. Hein. Ça se passe dans le camion sous l'espalier, ça se soulève. Attends. Avec une pile neuve. Bah, c'est con, j'ai pas de pile neuve. Là, je suis en pleine. Ralentis, espèce de connard! Oh là 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 là. Je dois avoir un problème quand même avec le vaisseau. Hein. Parce que là, il fait n'importe quoi. J'arrive à le stabiliser, mais j'arrive plus à le mettre au ralenti. Est-ce que si je mets l'autopilote? Non. Hop! Stabilise-le. Drive assist, peut-être. Avec une pile neuve. C'est con que j'ai pas de pile neuve. C'est con que j'ai pas de pile neuve, mais on va aller voir. Ça se répare dessous l'escalier. Normalement, dessous l'escalier, il y a que ça. Il y a pas grand-chose dessous l'escalier. Là, il y a rien que je puisse faire. Pourquoi les gens dans le chat sont pas plus précis? Où ça, sous l'escalier? Parce que sous l'escalier... Y'a rien, là. Y'a ça, et ça, y'a pas grand-chose que je puisse y faire. Je peux juste cliquer. Ah, switch chargeur. Hop, voilà. Shock shielding. Ça, j'ai pas. Ça sert à rien.
Et ça, je peux rien faire. Putain, fais chier. On est dans la merde. J'ai l'air très très con avec tout mon machin là. Y'a rien ici? Non? Position, tu regardes le pare-brise. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sous l'escalier, position, tu regardes le pare-brise. Ça fait ça! Ah putain, il a... Est-ce qu'il a... Nom de Dieu. Merci, mec. Pas mal, Bubok. Pas mal. T'avais trouvé. Le problème... Le problème, c'est que j'ai pas de... J'ai été médisant. GG à toi. Par contre, le problème, c'est que j'ai pas de batterie. Descends, espèce de connard! Attendez. On va faire ça. Tu veux pas descendre? Bon, le problème, c'est que j'ai plus de batterie. Power 200! Elle est bonne. Eh, on apprend, hein. C'est pas facile, hein. Ceux qui se moquent, là... Voilà. Nouvelle batterie, les gars. Et là, est-ce que ça marcherait pas? Faut peut-être l'activer. Ça veut pas s'activer. Power 200, normalement, c'est bon. Voilà, non, c'est... Oh, putain. Oh, putain. Et là, peut-être que... Attendez. Non. On a un problème. Houston. Houston, on a un problème. Attends, micro stabilisateur. J'espère que lui, c'est pas un truc important qu'on a dégagé. Sinon, on va avoir l'air très très con. Hein. On a cassé autre chose. Hein. On a cassé autre chose. Et visiblement, je ne sais pas pourquoi il ne s'allume plus maintenant. Peut-être qu'il a été endommagé, hit point 44. Le problème, c'est qu'on a rien pour le réparer. La pile n'est pas endommagée. La pile, elle est acid damage. Merde. Ah, le... Oh non, en fait, je crois qu'on a endommagé les machins quand ça vole. Depleted. Oh merde, vous savez que quand ça vole comme ça, vous endommagez le matériel. Oh merde. C'est génial. Non, c'est pas facile, hein! Ce qui fait que là, j'ai plus que... Bah, j'ai plus de batterie, en fait. J'ai plus de batterie, les gars. La puce a dû cramer. En fait, tout à l'heure, quand j'ai fait ma marche arrière brutale, vous voyez, ça a dû endommager plein de composants. Et là, les composants continuent de s'endommager en étant en gravité et en touchant les bords et tout. Vous voyez? J'ai perdu! Le tuto m'a battu! J'ai perdu. Hein. J'ai pas assez de composants pour réparer. Au mieux, je vais essayer d'atteindre la station. D'accord? Il me reste plus que ça. Je vais essayer d'atteindre la station. Et voir si je peux faire. J'ai de l'argent. Voir si je peux essayer de me docker à la station. On va essayer. Malgré le fait que je sois un peu abîmé. Je vais couper la conduite auto. Oh là là là, c'est une savonnette. C'est une savonnette, ce truc. Oh là là, non, non, non. Le oxygène! Je suis en train de crever! Non mais... Devant toi, c'est en partie vite, mais si tu sais pas, tais-toi. J'ai perdu, les gars. J'ai perdu. J'ai réussi à être battu par le jeu. Vous avez vu, les collisions, ça pardonne pas. Et j'ai quasiment plus de batterie.
Mais le tuto est dur, hein. Y'a plus d'oxygène. J'ai pas réussi à passer le tuto, le jeu est dur. Le tuto a gagné. J'ai perdu les gars, j'ai pas passé le tuto. Dommage, mais c'est cool, non, le jeu est génial. Le jeu est incroyable. Je vais retenter, hein. Je vais retenter, pas ce soir, mais on va faire une revanche, hein. On va faire une revanche sur le tuto. Non mais, hé, allez jouer, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Je peux vous dire que c'est une vraie savonnette, le vaisseau. Mais c'est fun, hein. C'est génial, hein. Une carrière bien courte. Écoute, je commence, mais c'est pas facile, hein. C'est pas... Putain, je suis mort comme une merde. Je suis mort comme une merde. Mais c'est fun. Je recommencerai la démo, hein. Peut-être demain soir, j'en sais rien. Mais je vais recommencer la démo, hein. Rien à foutre, hein. Et la démo est incroyable. Et là, putain, c'est que le début du jeu. Ça, je vais me jeter dessus, hein. Quand ça va sortir, c'est censé sortir cette année. Déjà, ils ont un truc jouable qui fonctionne. J'attends de voir la galaxie entière avec à la Euro Truck Simulator. Et voilà. Bah, j'ai perdu. Donc ouais, faut être super prudent avec les collisions et tout, hein. Bah, j'ai perdu, putain. J'ai perdu au tuto. Toi qui voulais voyager, te voilà bien asphyxié. Ah putain. Bon bah les gars, j'ai perdu, hein. Je suis désolé, hein. J'aurais pas aimé que ça... Voilà. On va recommencer, hein. Je ne sais pas quand, mais je vais recommencer, hein. Je me laisse pas abattre comme ça. Je me laisse pas abattre comme ça, hein. Très fun, le concept. Le concept est incroyable. Et c'est simple en fait, c'est simple, mais quand tu connais pas en fait les réparations d'urgence et tout, quand tu ne sais pas où c'est, eh bah tu peux perdre comme ça en fait. En fait au début il faut faire un inventaire de qu'est-ce que j'ai, pour combien de temps, qu'est-ce que je dois acheter, est-ce que j'ai de l'argent en stock, est-ce qu'il y a un magasin dans le coin où tu peux acheter des piles énergétiques en d'avance si t'as ce genre de problème, et voilà. À manche, ouais. Non, ouais, peut-être même une manette, mais je suis pas sûr. Bon, sur ce, je m'arrête là. C'était cool, hein. Demain, il y a du Rome 2 en début de journée. Je continuerai le run avec les Celestides. En soirée, donc peut-être que je serai sur Twitch demain. Hein, peut-être que je serai sur Twitch. Et en soirée Warbird, je ferai un petit puzzle. Avion, Seconde Guerre mondiale. Là, j'ai un petit zéro en puzzle, hein, genre 200 pièces en live. Ça va être très, très fun à faire. Voilà. Et bah sur ce, passez une bonne soirée. Le jeu est incroyable, hein. Donc ça c'est en alpha, c'est une démo, et ça sortira en 2024. Donc ceux qui sont fans, supportez les jeux indépendants plutôt que les quadruple A de l'industrie du jeu vidéo. Et voilà. Pas facile au début, pas facile du tout.